Bonjour à tous, ici Scrapette 59. Donc, on va reprendre le calendrier de l'Avent. Donc, j'avais déjà montré dans une précédente vidéo comment faire une couverture matelassée en tissu. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc, maintenant, nous allons la compléter pour faire un calendrier en fait de l'avant. Donc chez Amazon, ils font des petites boîtes carrées comme celle-ci. Donc ça se présente comme ceci. C'est ils vendent ça par 50. Ça coûte 14,95 €. Du coup, vous pouvez faire deux calendriers de l'avant. Donc les boîtes se présentent comme ceci. J'en attrape une. Donc, elles sont déjà collées. Donc, il ne reste plus qu'à venir marquer les plis. Elles ont comme dimension 5 cm sur 5. Donc, tout à fait honorable pour venir mettre des chocolats ou un petit jouet. Et même si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez faire un seul calendrier de l'Avent. Et comme ça, vous avez la possibilité de mettre plusieurs chocolats à l'intérieur de la boîte, donc avec le nombre d'enfants. Donc, les petites boîtes, en fait, toutes faites, vous permettent après de venir en fait les coller. Donc pour savoir quelle dimension vous devez choisir pour votre album, vous devez savoir en fait combien vous allez mettre de boîtes d'un côté et de l'autre. Moi je vais en mettre 3 sur la partie horizontale et je vais en mettre 4 sur la partie verticale. Il faut aussi bien déterminer le sens d'ouverture. Donc moi je vais ouvrir en fait mes boîtes vont s'ouvrir comme ceci. Vous pouvez très bien les mettre comme cela. Peu importe, mais surtout déterminez bien le sens. Une fois en fait que vous avez déterminé votre sens d'ouverture, vous mettez vos boîtes comme ceci, vous venez en fait les coller et ça vous fera la grandeur de votre devanture de couverture. Pour savoir combien il faut faire au centre, rien de plus simple, vous prenez deux boîtes dans le sens de l'ouverture et vous les posez en fait au milieu. Comme ça, quand votre calendrier de l'Avent sera fermé, vos boîtes tiendront parfaitement en fait dans la partie centrale. Pour la partie verticale, rien de plus simple, vous venez mettre quatre boîtes et vous allez avoir votre grandeur. Moi, je rajoute toujours à cette longueur-là 0,5 cm parce que il y a toujours, comme on vient les coller les unes aux autres, on perd, on va dire, un demi, un millimètre pour chaque boîte. Donc, je rajoute 0,5 en fait en longueur ici et je rajoute 0,5 ici. Après, il ne nous reste plus qu'à coller nos boîtes. Donc là, je ne prends pas de Taki-Glue, je prends la Tombow. Parce que c'est une colle que je trouve qui colle bien. Et du coup, c'est celle-là que je choisis pour coller mes boîtes. Et bien après, rien de plus simple. On vient coller notre première boîte. Excusez-moi, je me rapproche un petit peu. Voilà. Je l'ouvre pour venir appuyer dans le fond de ma boîte pour qu'elle colle bien. Je prends la suivante, je fais attention au sens d'ouverture. Celle-ci, elle va être collée sur la partie de droite sur cette boîte-là. Donc, alors désolé, ma vidéo avait coupé.
Donc j'étais au collage des premières boîtes. Donc on continue. Celle-ci sur cette de la colle sur cette face-là et sur celle du fond. Et ça va me terminer ma rangée. Désolée, vous voyez peut-être un petit peu mes cheveux. Donc voilà, ma première rangée en fait est collée. Donc je laisse pas beaucoup d'espace ici, parce qu'il n'y a pas besoin. Et ici, je suis bien parallèle. Je vais continuer en fait à coller mes boîtes hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, j'ai coupé, j'ai collé ma première rangée. Alors surtout, on n'oublie pas, c'est de venir ici scotcher la fermeture. Sinon, bah après, on n'arrive plus à le faire et du coup, on devra mettre un autre système de fermeture. Donc je vais fermer mes boîtes pour vous montrer ce que ça donne. Donc franchement, c'est la première fois que je fais avec des boîtes d'Amazon et j'adore, elles se plient très facilement, elles sont bien coupées, elles sont solides. Donc je conseille. Donc voilà mes boîtes fermées. Si je viens fermer en fait mon calendrier, voilà ce que ça donnera. Donc je vais vous montrer comment coller la première boîte de l'autre côté. Donc attendez, il faut que je la monte. Donc vous avez vu, on la plie super facilement. Donc, pour la boîte de l'autre côté, c'est juste le fond qu'il faut en coller. Je la mets comme ceci. Et je viens fermer mon projet. Ensuite, comme ma colle ne colle pas tout de suite, j'ai la possibilité de prendre le temps de venir la glisser si elle est mal positionnée. Et il ne me reste plus qu'à coller les autres. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de coller mes boîtes de la deuxième partie. Je vais. Donc est-ce que vous voyez bien? Oui. Et donc quand je le referme, ça donne ceci. Voilà. Donc là, ça a fait un écart en fait supplémentaire. C'est parce que je voudrais pouvoir mettre des décorations en fait un petit peu plus épaisses. Voilà. Je vous le montre en photo pour les finitions, les décorations et tout. Bon scrap à vous!